monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre l'Early Access de Toy Tactics, un jeu dans lequel on utilise nos armées, nos connaissances tactiques et le pouvoir de la physique pour remporter des batailles. Mais ce n'est pas tout, on a également accès à un pinceau magique qui permet de dessiner des formations pour nos armées et on a même des pouvoirs magiques que l'on peut débloquer. C'est vraiment un jeu qui ne se prend pas au sérieux, que ce soit les unités, l'action, la physique, enfin vraiment tout est marrant et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Nous voici sur la carte du monde. Elle est composée de plusieurs continents, chacun avec sa campagne. J'ai déjà fait les trois premières missions de la campagne pour passer le tuto, et là on va attaquer la quatrième, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, je ne l'ai pas testé. Chaque mission a trois objectifs qui nous permettent de gagner des lauriers que l'on peut dépenser pour débloquer ou améliorer des sorts. J'ai par exemple cette volée de flèches qui fait très mal, ce mur que je peux poser pour se protéger des attaques ennemies, je viens de le débloquer, je ne l'ai pas encore testé, et ces jarres, ces amphores que l'on peut balancer et qui vont exploser pour normalement faire beaucoup de dégâts. À nouveau, je viens de le débloquer, je ne sais pas ce que cela va donner. Et bien tiens, tant qu'on y est, on va débloquer les légionnaires que l'on peut invoquer pour avoir un petit peu de renfort. Il ne me reste plus qu'un laurier, donc je vais devoir les économiser si je veux débloquer ou améliorer un autre sort. On a également de l'équipement que l'on peut trouver dans les coffres en pleine mission. Par exemple, j'ai débloqué les trois pièces de matos de l'infanterie et je peux en emporter une en combat. Donc on a par exemple le bouclier qui permet de repousser les volets de flèches, on a la dague qui peut mettre feu aux ennemis et on a l'épée qui vont affaiblir les unités que l'on va frapper ou qui nous frappent si on est équipé de cette arme. On va garder la dague, je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai également débloqué ça pour mon bonhomme. Alors, on a ça qui permet... D'accord, les alliés près du projectile qu'il peut lancer vont être un petit peu soignés. Et ça, ça permet à nos unités proches de pouvoir repousser un petit peu plus facilement les volets de flèches. Bon, on va rester avec le soin, on va voir ce que ça a donné. Ben, vous êtes prêts? Je pense que l'on est bon. Allez, en avant. Voilà, il ne me donne pas encore les objectifs, très bien. Ouh, une carte enneigée. Alors, le jeu est beau, je trouve, ce n'est pas incroyable visuellement, mais il y a vraiment juste ce qu'il faut pour que ce soit très agréable à regarder. Et ça m'a l'air d'être une petite carte. Les précédentes étaient bien plus grandes, il y avait des ponts et des obstacles à traverser, des boutons à activer, ce genre de choses. Eh, ça m'étonne un petit peu. Bon, on va voir, peut-être que c'est une mission assez courte. Donc je vois qu'il y a un bâtiment à réparer, il y a quelques ennemis là-bas, et je démarre avec un paquet d'archers, 40 archers, et mon boss personnel qu'il faut protéger. S'il est tué, la partie est perdue. Là, on a tous les sorts que l'on peut activer, donc ceux que l'on a vus juste avant. Il faut tuer assez d'ennemis pour absorber leurs armes et remplir la barre avant. Alors, je peux déplacer chaque groupe individuellement. Ouais, je peux dire à ceux-là d'aller là et le boss d'aller ici. Je peux également diviser les groupes. Par exemple, je peux sélectionner ces petits bonhommes et dire de faire trois groupes. Regardez. Hop, maintenant on a trois groupes d'archers. Et je peux ensuite les fusionner en regroupant. Voilà, ils sont regroupés à nouveau. Donc là, je vais leur dire de se mettre en position autour du boss. Voilà. Ils vont se repositionner ici. Et je peux également déplacer les deux groupes en même temps. Comme vous voyez là. Donc je vais dire au boss de se mettre au milieu. Et ben on va éliminer les squelettes qu'il y a là-bas. Allez, on peut également tourner hein, pour bien se positionner. Je les ai peut-être mis un petit peu trop en... Alors quels sont nos objectifs? Reconstruire la tour, d'accord. Tuer 5 ennemis avec un sort, tuer 10 ennemis avec un sort. Très bien. Alors, on est peut-être un petit peu loin. Je vais essayer de les repositionner comme ça. Ah, là, ça... ah, c'est mon gars. C'est pour ça que ça marche. J'ai mal sexé. Ok. Hop, voilà. Oui, effectivement, le boss fait tout seul. Voilà, si je les mets tous là, ils vont mieux viser les squelettes. Et là, on les a aggro. Je crois qu'on les a aggro. Même pas. On va remonter un tout petit peu. Le boss, tu suis derrière. Voilà. Et là, on va les voir rouler dans la pente. Ouh, ça, c'était l'attaque de mon boss. Allez, même pas possible de passer, les archers sont vraiment bourrins dans le jeu, c'est un truc incroyable. Mon boss peut se faire tuer par un groupe d'archers vraiment facilement. Alors, bah du coup on remonte, et alors je vais rester dans cette position. Je me dis qu'il y a peut-être du monde qui va sortir de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, lui c'est un bonhomme qui me donne des conseils. Non, rien, alors on se rapproche de là, on marche arrière. Enfin, je me dis mon boss devrait plutôt être tank plutôt que mes archers, mais bon c'est pas grave. Allez, on reconstruit la tour. Boum. Ouh, bah je vais mettre mes archers dedans tout de suite là. Alors, vous. Allez, oh, oh, ça va pas être bon. Alors, on va sortir ça. Voilà. Allez dedans. Ouh, survie à la vague d'ennemis. Oh, ils vont venir de là. D'accord, cette carte, c'est une
Car Tower Defense. Ouh, alors là par contre problème. Ouais problème, il y en a trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là-dedans. Voilà. Et je vais faire un deuxième groupe d'archers. Ici. Non, là je crois que j'ai le boss en fait. Ok, le boss tu vas là-bas. À chaque fois je me fais avoir. Voilà. Ok. Et en dessous. Voilà. Donc un groupe de 22 archers dans la tour, un groupe de 18 en bas. Le boss va protéger cet endroit pour pas que les ennemis qui passent puissent atteindre la tour. Et là, on a un boss ennemi. Ah bah parfait. Alors, on va petit à petit recharger ses barres pour les sorts. Et oula, regardez. Il arrive même pas à passer. Ouais, je les ai bien mis mes archers, je suis fier. Je suis très fier. Bon placement. Il y en a toujours un ou deux qui continuent de sauter, de tomber. Là, lui, il va pas passer, il va rien pouvoir faire. Ah, alors derrière, on a de l'infanterie normale. Alors, j'aimerais bien remplir ces barres. Purée, il est résistant. Ok, on l'a éliminé. Il m'a pas donné beaucoup de d'âmes. Hein. Je crois que la puissance de l'unité n'a pas vraiment d'impact sur le nombre d'âmes qu'elle donne. Alors, hop, on les élimine. Un autre groupe avec un boss et plus d'infanterie, je suppose, derrière. Probablement le même groupe. Ouh, ils arrivent à bien passer. Là, il va falloir faire quelque chose. Et 14 derrière. Et on n'est pas encore. Alors, jusqu'à présent, je n'ai eu qu'un sort. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser tous les sorts une fois que les barres sont pleines. Ou alors, j'ai le droit à utiliser un seul sort et après, il faut la remplir à nouveau. Alors, le boss, lui, il va les intercepter. Ils vont rien comprendre, je pense. Boum. Voilà. Ah, ça y est. Alors. Bah tiens, on va mettre ça là. Ouh, c'est moi. Et moi, le boss, il a... Hop là. Le boss, il a un coffre. Faut aller récupérer le coffre. Bah, je vais prendre ce groupe-là. Et je vais envoyer un bonhomme là. Et le reste, vous allez rester ici. Alors, j'espère que... Ouh, je crois que ça va bouger mes bonhommes qui sont là-haut. Donc, on va encore repeindre là. Voilà. Ouais, ils y vont. Ah, peut-être qu'on est un peu trop, finalement. Oh. Et là, on a la coupe de Dionysus, ou je sais pas quoi. Je crois que mes archers vont y passer, là. Ouais, mes archers, ils ont passé. Bon, c'est pas grave. On a eu l'objet. C'était le principal. J'aurais peut-être dû attendre que la vague se termine, mais je pensais que les gars continueraient leur chemin et pas qu'ils feraient demi-tour. Bon, alors. On a d'autres petites choses qu'on peut sortir. Ça, je l'ai jamais testé. Je me demande si tu peux les ralentir avec. On va voir. On va attendre. Alors là-haut. Accélère. Deux boss. Ah, il y a de la baston là-haut. On envoie un petit peu en bas. Parfait. Alors. Je vais jeter, je pense qu'il faut un petit peu d'avance. On va mettre ça là. Allez. Ok, ça a explosé. Alors on a 5,5, 6 même sur 10. Je vais mettre. Allez, je vais invoquer mes bonhommes. Je sais pas si eux comptent comme. Comme des. De la magie. Oh, ils sont déjà morts. Oh, je m'y attendais pas à ça. Je m'y attendais pas du tout. Ah, un autre groupe se ramène. Alors, tout de suite. Allez. Oups là. 8 sur 10. Alors, je me demande. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Avec le mur. Je sais. Pour le moment, c'est pas utile le mur en fait. C'est ça mon problème. Ah, c'est un archer qui revient. Pourrait mettre un mur là en fait. J'espère que j'ai pas fait une bêtise et que ça va leur faire prendre un... Regardez, ça me rappelle les briques dans Castle Story. Quoi qui remue là-bas? Ah, c'est un ennemi. Okay. Ils essayent de passer mais vous ne passerez pas. Ah là, il y a toujours trop de monde là-haut. Pas grave. Ah là là. Oh! Pourquoi ça a été détruit?
comprends pas pourquoi ça a été détruit. Bon bah c'est pas grave, de toute façon je pense qu'on peut les avoir. Alors du coup, on prend les archers et on va mettre ça ici. Voilà, positionnez-vous bien. Alors, dernière vague. Ouais. Allez, allez exploser avant qu'il... Allez, allez, vite, vite, vite. Ah, ok, est-ce que j'en ai assez? 9. Ok, avec vous. Okay, je vais faire comme ça. Ah, je pense que là... Ça y est, j'ai le 10ème. Ouais, j'ai les 3 objectifs. Super. Bon, on va mettre un Legio là, comme ça vous allez bloquer les ennemis qui essayent de passer, parce que c'est la vague finale. Lui, je pense. Est-ce que je peux te mettre là? Je sais pas s'il peut passer. S'il peut passer, les ennemis peuvent probablement passer. Oh, ok. Donc, tu vas être là et tu vas attaquer d'ici. Il balance sa lance, boum! Je sais pas si c'était prévu que la tour se casse. Alors, encore un petit peu d'âme. Voilà, et donc je vais voir si je peux doubler. Ok, on peut doubler. On peut doubler. Oh oh. Alors toi, faut que tu sois prêt à intercepter les bonhommes. Éliminer le boss, parce que le boss contre mon boss, ça va faire mal. Ah, ça les retarde pas. Ah non, c'est mon pote. Ok, recule, va derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amphores. Alors le problème... Enfin, si je les balance là, ça a pété mon mur, ça fait des dégâts à mes potes. On a toujours ça, et j'ai peur que ça roule vers le bas. On va poser ça là, on va voir ce que ça a donné. Ah, ah, non, ça va être trop loin, je vais m'en douter. Je vais m'en douter. Alors... Voilà. Voilà. Là, c'est le dernier mur, la résistance. Allez, on arrive à envoyer les flèches au travers des murailles. Donc ça, c'est pas mal du tout. En fait, le mur a été utile. Regardez, oups là. Ah, victoire. Super. Bon. 10 minutes approximativement, 11 minutes. Ah 8 minutes, donc il compte pas le temps en accéléré en fait. On a eu le coffre, on a perdu 6 archers. Je pensais qu'on aurait perdu que 2. Et on a fait les 3 objectifs. Donc. On va là-dedans. On a débloqué... Non ? La coupe de Dionysus. Les alliés autour du roi récupèrent leur point de vie. Petit à petit lorsqu'ils ne sont pas en combat. Et donc c'est à la place de ça quand proche de la mort une explosion de fureur envahit votre empereur. C'est un empereur ou un roi? Ce qui fait des dégâts aux ennemis proches et lui redonne des points de vie. Peut être utilisé qu'une seule fois par bataille. C'est automatique. Les deux sont intéressants pour être franc. Alors, on va garder ça là, parce que ça me permet à mon roi de survivre lorsqu'il est dans une situation difficile. S'il meurt, la partie est perdue. Hein, garantie. Donc, ouais. Alors, est-ce que j'ai gagné assez de points? Ouais, j'ai 4 points. Alors, on a ça. Le petit cochon a trop mangé. Ce petit cochon allume une allumette. Et ce petit cochon... Oh, fui. C'est quoi cette description de ça? Ok, alors, c'est l'un ou l'autre. Problème, je pense que le petit cochon... est plus intéressant que les amphores. Hein. Alors, on va l'acheter. Et on va remplacer. Voilà. Ok. Ensuite, là-dedans. Ça, c'est... Je crois que ça sert à rien. Et là, ça met du feu sur le sol. Ouh. Ouh. Ça peut être intéressant. On va garder ce que j'ai pour le moment. Ouh, une catapulte. Ah, oh, purée. 4 sorts, c'est pas assez. C'est pas assez, 4 sorts. Bon, alors, on va à la suite. 3 objectifs comme d'hab. Ils ne disent pas encore ce que c'est. Est-ce que je peux... Ah, je choisis la couleur. Ça, c'est la couleur... Ok, on va être en orange. Voilà. Alors, on prend le petit bateau. On va en face.
Donc on est toujours dans la zone enneigée. Et là, on va faire une bataille de siège. J'aurais peut-être dû prendre la catapulte, je me dis. D'accord, donc faudrait attaquer les tours avant d'attaquer le château. Diviser et conquérir. Donc là, j'ai quoi? J'ai le roi ou l'empereur avec 24 d'infanterie et 10 archers. Donc je pense qu'il faudrait capturer ce qu'il y a là-haut en premier. Donc éliminer ça. Oui, il y a un gros. Il y a un gros qui nous attend. Là-bas, il y a un campement pour débloquer de nouvelles unités. Peut-être si je peux passer par là. Ouais, on capture ça, on reconstruit. On va là-bas avant d'aggro cela, ce serait pas mal. D'accord, ouais, c'est parti. Alors, bah, du coup, allez là. Donc, pour contrôler un groupe en particulier, il suffit de cliquer gauche dessus. Mais si vous cliquez avec gauche et droit, vous contrôlez le groupe complet. Et avec X, non, pardon, W et C, vous pouvez décider de l'orientation du groupe. Capture la forteresse ennemie, reconstruit deux structures, finis la mission sans sacrifier tes archers. Ouh, ça va être difficile. Ah ouais, ça va être difficile. Bon, alors. Les archers restent derrière, on les laisse ouais, du côté derrière. D'ailleurs, je vais même les faire reculer un petit peu, peut-être. Voilà. On est bon. Alors là le problème c'est le celui-là. Est-ce que mes archers, bon là on va les rapprocher cette fois-ci exceptionnellement. On va les mettre là. Est-ce que je peux le maintenir loin? Je les mets à l'intérieur du cercle, c'est pour ça. On s'approche doucement. Ce que j'aimerais faire c'est ouais, le toucher et l'empêcher de descendre la pente. Allez, c'est parti. C'est parti, là je crois que on le touche, non? Ah, oh, ça tombe juste. Ah, ça y est, ça y est. Non, il réagit pas. Voici, il réagit pas. Ah, ça y est, là, là il a dit. Là, il saute, il a pris feu, mais il ne va pas. Viens, rapproche-toi un tout petit peu. Bon, bah, on avance. Voilà. Là, tu ne peux plus prétendre. Alors, oui, concentrez-vous également sur les petits, s'il vous plaît. Alors, le roi. Tu vas devant, tu vas aider. Ouh! Est-ce que t'as touché nos potes? Je sais pas s'il a touché nos potes ou quoi. Ouh, on l'a eu, on l'a eu. Peut-être j'étais un petit peu trop inquiet, il a pas l'air si costaud que ça. Maintenant, on va capturer l'endroit là. Okay, qu'est-ce qu'il me dit? Oh! D'accord, alors faudrait mettre les archers dedans, c'est ça que tu me dis? Alors c'est pas toi que je veux, c'est toi. Est-ce que de là ils peuvent attaquer en bas? Ça serait excellent. Ouh. Alors ouais, juste il y a un petit problème. On est mal placé, donc on va le faire proprement. Voilà, alors, bah du coup, vous allez là, avec le roi. Et on va les intercepter. Ah, une petite rampe là. Oula, d'un coup j'ai perdu un peu de FPS. Le problème maintenant c'est que je sais pas si je peux contrôler sans les archers en fait. Si j'appuie clic gauche, clic droit, est-ce que ça me fait bouger les archers? Je ne sais pas. Bon, alors, mettez-vous là, et on n'a pas encore assez de points pour invoquer. Oh, j'aurais bien mis un mur là. Pour invoquer chose. Allons-y. Regardez, regardez. Vous ne passerez pas. Ouh là là. Allez vite. Ouais, je l'ai fait là parce que ça, les flèches font des dégâts à mes potes. Hein, donc. Ouais, c'est un pote lui. Il a peut-être été envoyé balader par une attaque. On est bon, on est bon. Alors, première chose. On va capturer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que
vais prendre quelques bonhommes. Voilà là-bas. Et le reste ici. Voilà. Bon. Analysons la carte. C'est quoi ça? Ça c'est à nous. Maintenant, vous, on va vous refusionner. Faire un cercle autour du de l'empereur. On va plutôt faire un meilleur cercle. Voilà. C'est un meilleur cercle pour moi, hein, si vous me posez la question. maintenant, alors si je fais ça, ça a pas l'air de déplacer les archers. Parfait. Donc, allez là. Et après, on va voir ce qui se passe avec les fous là-bas. Je pense que je vais devoir... Est-ce que ça fonctionne sans ma présence? Ça a l'air de fonctionner sans ma présence. Donc, allez voir les fous là-bas. Les archers, vous allez là. Ça y est. Alors, les fous sont là. Bam! Bon, alors, maintenant. Pause. Ici. Là. Là, on va faire... Ah bah tiens, on va faire sur lui une grosse attaque de flèches. Et sur eux, on va mettre des cochons explosifs. Ok, c'est parti. Ouh! Oh, ça lui a fait que 100 dégâts, oh, le cochon! Ok. On leur a fait mal. Eh, hey, il est toujours vivant, là? Ah, l'armure d'Achille. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah oui, il y avait un coffre, là. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une armure sur... un héros qui avait un point faible très connu. J'en sais pas. Alors, du coup, va falloir... Oh, j'aurais peut-être dû éliminer les archers, je sais pas. Toi, tu peux pas attaquer ce que je te demande. Non, tu peux pas. Alors, on va envoyer les légionnaires là-dedans. Voilà. Ça, je les invoque. Ils sont bien dedans? Ouais. Éliminez-moi les archers. Ou ils ont l'air d'aller dedans. Ça y est, ça arrive. D'accord. Alors, du coup... les archers, on va les laisser derrière. Je vais voir si je peux faire sans eux. Ou alors on peut vraiment les mettre. Est-ce que les archers là-haut étaient éliminés? Il en reste un. Ouais, il est éliminé. Oh, lui, il est là-haut. D'accord. Alors, vous allez derrière. Le roi. Ou le roi fait gaffe, en fait, parce qu'il y a lui. Donc, vous allez vous mettre derrière. Pas d'archers là-bas, hein, ouais. C'est parti. On lui fait du dégât. Allez les archers. Oh! Oh! La catapulte s'y met. Par contre ça a pas l'air de toucher la catapulte. Le boulet. Oula. Bam! Ok, recule un petit peu le boss maintenant. Voilà, alors les archers, vous restez en retrait. Et nous... Ah, on a des archers là-haut. C'est parfait, regardez. Ah, ça les a pas tous éliminés. Allez, allez. Non. Ok, est-ce qu'on peut monter? Je crois qu'on peut aller dans... De ce que j'ai vu. Non. Okay, revenez là. Clairement, c'est pas ce que je voulais faire. Ça va être toi. Et toi. Voilà. Parce que eux, s'ils perdent des points de vie, c'est la cata. Est-ce qu'on peut monter maintenant qu'on l'a pété? Ah, il faut péter la muraille carrément. Bah, les Ikas sont là. Allez. Il reste que deux archers là-haut. Ça n'a pas posé problème. Oh, c'est quoi ça? Le dragon? Ok. On va là-bas. Ah non, juste après. Ah, est-ce que ça peut leur faire des dégâts si ça leur tombe dessus? Je sais pas. Allez,
Éliminons les bonhommes. Avec mon roi, mon empereur, ouais, ça devrait être rapide. Sans problème. Et on commence à capturer là-bas. Poum. Boum. Eh, victoire. Je crois que j'ai fait les trois objectifs. J'ai pas perdu d'archer. Hein. En tout cas, ils sont restés en retrait tout le long. Et on en a toujours 10. Il me semble qu'on en avait 10 au début. Alors, ouais, j'ai les 3. Et on a le coffre. 1 minute 30. Non, je vais faire. Je vais cliquer, non. Réessayer. Alors. On a obtenu l'armure d'Achille. En fait, c'est une armure pour eux qui fait qu'ils font plus de dégâts s'ils tirent de plus loin. D'accord. Et ça? Et ça, une petite chance de faire un projectile qui fait des dégâts de feu. Bon, on va équiper l'armure là. Elle m'a l'air plus intéressante. Et alors, on est à 5 points. La catapulte, elle était pas mal pour les... Mais bon. Toi, un diopète. Oula. Les ennemis vont être étourdis par la vue. Et puis, ils vont être... Et puis ensuite, littéralement, par un groupe de rochers des espaces. Alors, je pourrais prendre ça à la place des cochons. Pour celui-ci, il faudrait en fait avoir, je suppose, la catapulte. De toute façon, j'ai pas les points. Là-dedans. Ah, pour soigner. Ouh. Je peux poser une tour pour mes archers. Alors, on va prendre ça à la place du mur. Qui est pas mal, franchement, le mur. Hein. Mais ouais. Okay. Alors, mission suivante. Là, on va voir ce qui nous attend. Un groupe d'éclaireurs traverse la montagne pour prévenir l'impérateur des ennemis. Quoi ? Pour prévenir les ennemis de l'impérateur ? Ok. Ah d'accord, oui d'accord. C'est les éclaireurs ennemis qui traversent la montagne. Chasse-les avec ta cavalerie avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben... On va voir ce que ça propose. Donc ça a l'air ouvert. Ouh, c'est quoi ça? C'est un mouton doré? Alors, envoie ta cavalerie pour chasser les chasseurs avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Ah, on a que 8 unités. Oh bah, ça va être chaud. Alors, on démarre. Et je vois qu'il y a une plaque pour activer le pont. Ah, les boutons en forme de carré restent activés une fois appuyés. Ah bah cool, du coup, je n'ai pas besoin de laisser une unité là. Alors, ah, puis voilà. Ça, on va se mettre dans cette position. Allez là-bas. Allez, allez, allez. C'est eux qu'il faut éliminer ? Allez, allez, rattrapez-les. Ouh, je voyais l'effet autour de la cavalerie. C'est qu'elle fait plus de dégâts quand elle a assez de vitesse, donc ça c'est cool. Parfait. Alors, ben on les a éliminés, on continue. Premier groupe d'éclaireurs. Ouh, des archers là-bas. De l'infanterie, une catapulte, un bouton. Le bouton, il active quoi? Je sais pas trop. Alors. On y va, on va éliminer en premier. Ouh. Bon, ils attaquent le... Oh, oh. Vite. Vite. Protégez les moutons. Il y a un symbole de bouclier, donc je suppose qu'il faut les protéger. Voilà. Ah bah, ils sont éliminés rapidement. Ah, le bouton va peut-être baisser le pont, on va voir. On y va. Mettez-vous là. Il en restait un dernier, je l'ai même pas vu. Bon, allez là-haut. Ah, est-ce que mes unités vont pouvoir prendre de la vitesse en montée? Oula. Oh! Appuie sur ça, je voudrais voir en même temps si ça va baisser le pont. Ouais, ça l'a baissé. Détruisez la catapulte. Toi, t'as pas besoin de rester sur le pont. On va éliminer la catapulte, s'il te plaît. Voilà. Maintenant. On va là-bas. Et, ah, oui, on a un campement. Ouh, bah tiens, ça, il faut vraiment aller ici le plus vite possible.
Parce qu'il y a de l'infanterie qui se ramène. J'ai déjà perdu une cavalerie. Une unité de cavalerie. Oh là là, on doit avoir de la vitesse avec la descente. On devrait voir les étincelles, non? Même pas? Bon, on les a bien éliminés. Ah, ça y est, j'ai mes sorts. J'ai mes sorts, parfait. Alors, bah allez me capturer ça et mettez-vous en position pour sortir. Ce qui m'inquiète, c'est... Ah bah tiens, voilà ce que je pensais, oui. Parce que les cimetières peuvent faire apparaître des choses. Donc, s'il vous plaît, venez là. Oh, oh, lui, il est dans l'eau. Il l'en... Et le roi. Et le roi après. Ah, stop. Donc, toi. Là-bas tout de suite. Celui-ci. Également là-bas. C'est parti. Voilà. Vite, vite, vite. Avant qu'ils atteignent les cochons. Les cochons, les moutons. Ah, donc je vais devoir laisser un petit peu de protection là. Le roi. On te fait monter. Parfait. Donc, on va séparer en deux groupes d'archers. Voilà. Ceux-ci vont monter. Non, c'est le roi. Ceux-ci vont monter. Et ceux-ci vont rester là pour protéger. Je vais fusionner la cavalerie. Non, même. Voilà. Bon, alors. Ah, les sorts là utilisent plusieurs lignes. Alors, ouais, bon bah on va se mettre là. Le roi et les archers, vous allez avancer. Vous restez là. S'il y a quelque chose qui apparaît derrière, on ne sait jamais. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais prendre ça et je vais déjà leur faire un peu mal. Parti. Je vais prendre ça et je vais le mettre là. Juste pour qu'on les élimine. Là on a combien? 0 sur 10, j'en ai pas tué un seul. Alors pause. Pause. On va leur dire d'aller là-bas. Et vous, vous allez vous mettre là. C'est parti. Allez la cavalerie. Je compte sur le carnage. Ah, oh parfait. Alors, on va mettre. Voilà. Et vous? Oh! 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 Oh, je m'y attendais. La pente! La pente a un impact sur la tour! Oh non! Ok, bon, c'est comme ça. Vous voyez comme ça? Eux là-bas. Ok, ils ont éliminé ce qu'ils ont pu. Lui a pris des dégâts. Ah bah tiens, parfait. Regardez, lui est là. Pam. Et on va attendre que ça sorte. On va mettre les bonhommes là-bas. Aïe, il s'est déplacé. Oh le malin! Il est parti. Oh, et là c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout. Cavalerie. Que là mon roi va y passer. Ok, on a ça. Mais tiens, on va. Alors toi tu te déplaces, non tu te déplaces pas. Parti. Voilà. Le roi recule, recule, c'est bon. Maintenant on va envoyer eux là-haut. Là, ces ennemis ont éliminé mes bonhommes. Oh non, non, à chaque fois je me fais avoir. Les archers, bah je peux pas vous mettre votre tour, je peux la mettre là-haut à la rigueur. Mais je sais pas si... Les ennemis peuvent grimper dedans en fait. Alors, est-ce que j'ai eu 6 ennemis avec les sorts? Ouais, on va pas avoir un des objectifs là. Oh, il y a du monde là-haut.
sûr, vous voyez là. Non, je crois qu'ils sont tous éliminés, on peut aller. Ok, on peut aller capturer là-bas. Ils sont en train de péter les renforts en fait. Et je pense que j'aurais pu envoyer tous mes archers. Il n'y a pas eu d'autres ennemis, d'autres unités ennemies qui sont sorties des cimetières et tout. Bam. On est au moins protégé, le mouton doré. Et notre roi, à un moment, il était en danger, hein. On en a deux. C'est ma première attaque de flèche qui n'a pas tué de bonhomme. Alors, ça a rien tué plus que ça, quoi. Du coup, oh, j'ai oublié le coffre. Ouais, c'est pas grave, j'ai oublié le coffre, faudra refaire la mission. Parce que le coffre, c'est une nouvelle arme. Donc, ouais, c'est tellement utile que... Ça peut être tellement utile, peut-être ça sert à rien, mais on ne sait pas ce que ça donne tant qu'on ne l'a pas ramassé. Et donc voilà, donc vous allez continuer, vous voyez, comme ça, de mission en mission. À chaque fois, vous avez de nouveaux objectifs. Il y a pas mal de variétés, j'ai eu un petit peu de tower defense, un siège, combat, on va dire, dans une zone... assez ouverte, on va dire, celle qu'on vient de faire, relativement. Il fallait protéger un mouton doré, pourquoi pas, à ce genre de choses. Ouais, c'est un vrai bon petit jeu, marrant. Dites-moi si vous voulez en voir plus, je suis toujours, toujours partant pour vous montrer plus d'un jeu, si vous pensez que ça mérite une autre vidéo. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous souhaite un bon week-end, et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.